Vous habitez ici ? Ah, avant, j'habitais ici. Attends, j'habitais en Ange Picardie. 4 euros, s'il vous plaît. Ah, monsieur, il vient tous les jours d'ouverture, il est là. Oui. Il me passe une commande. Hein? Et puis, on essaye de ramener ce qu'il faut. Le vendredi. Alors, un vendredi. À vendredi. Ah, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Si j'ai pas un magasin ici, j'essaye de ramener pour la prochaine fois. Monsieur, bonjour. Ah, bonjour. Vous allez voir le monsieur, c'est pour les contrôles. Par contre, ça peut embarquer ma veste, des fois. Habituellement, on vient pour 14h, mais là, je suis un peu en retard. Mais enfin, on vient quand même. Et puis, j'achète aussi. Ça vous fait une sortie agréable? Exactement, madame, avec un beau soleil. Voilà les gants toilettes. C'était pour vous, les gants toilettes? Non, madame. C'était pas pour vous. C'est bon, c'est pour monsieur. L'autre monsieur, pardon, je me trompe de monsieur, je suis désolée. C'était combien déjà? 3 euros? C'est 20 centimes le gant toilette. 20 centimes, c'est vrai. Oui, attendez. Voilà, je les mets à la caisse. Et on va regarder de l'autre côté. Et combien ça va? 50 centimes, monsieur. C'est ça. Je vois plus bien clair. Je suis obligé d'enlever mes lunettes. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Vous avez les têtes d'oreiller qui vont. Alors, attendez. Je crois bien que vous avez une tête d'oreiller. Ah, c'est un traversin. Ah, je crois que. Je ne sais pas s'il y a pas une tête d'oreiller. Bonjour. Bien sûr. On s'est dit pourquoi pas une boutique solidaire. Et puis ben, on en a discuté lors du conseil citoyen, parce qu'on cherchait à faire quelque chose au niveau des quartiers. Et ben, il s'est avéré qu'on a eu un bon accueil. Donc le local, il était là. C'était une ancienne boucherie. C'est un local qui appartient à Médecins Habitants. Hein. Et c'est la CAPS qui a conventionné directement avec Médecins Habitants. Donc c'est une mise à disposition pour l'association. C'est eux qui se sont chargés des travaux. D'ailleurs, je trouve que, sincèrement, les travaux, ils ont été très, très bien effectués. C'est très accueillant. C'est propre. C'est fonctionnel et puis ça donne envie. Au niveau du concept, c'était plus... il fallait que ça ressemble à une boutique classique. Pour le coup, le matériel qui est ici, c'est vraiment du matériel qui est vraiment sélectionné, qui est en très bon état. Dès qu'on a quelque chose de neuf, ça vient ici. Voilà, quoi. On en profite et puis on trouve toujours quelque chose de bien. Je fais toujours mon bonheur. Donc voilà. 4 euros s'il vous plaît. Merci. Voilà. Voilà, c'est pas uniquement avoir une boutique dans le quartier, non, c'est plutôt amener les gens progressivement à adopter des gestes éco-citoyens. Je m'attendais pas que ça fonctionne, qu'il y ait autant de monde. Et puis on est quand même dans un quartier assez fermé. Mais en fait, les gens, ils passent. Et puis, même s'ils ne rentrent pas, on a un petit bonjour. Il y a quand même des gens qui connaissaient l'association à la base. Et puis, qui me disent, ah ben, on n'a pas le permis, on ne peut pas y descendre. Enfin, c'est plus accessible peut-être pour eux aussi. Hein. Ouais. C'est super sympa, c'est... personnel hyper agréable, donc voilà, on y rentre, on fouille, c'est parfait. On se fait plaisir. Voilà, tout à fait, même si on n'a pas besoin. C'est vous aussi, non? Ça va faire un mois. On va ouvrir le 2 février. D'accord, ah, d'accord. C'est l'association Deuxième Chance. Ah, qui est sur le boulevard Voltaire. D'accord. Oh,
faut les mettre sur les mêmes poignées ou de chaque côté de... Comme vous voulez, regardez un petit peu. Ça fait chouette quand il y en a plusieurs en fait. Oui, d'accord. Enfin, je suis une adepte. Non, je me doute bien, oui. Non, mais c'est pour ça que je demande. Voilà, je préfère, que ça fait joli comme ça. Je préfère demander. Bah, oui, bah, pourquoi pas, oui. Ah, je préfère demander parce que... Ah oui, non, mais ça fait chouette comme ça. Hein. Ouais, deux sur le même poignet, oui. Ouais. Ok, bah, merci. Ça, ça sent bon. Merci de m'avoir donné le conseil. Vous n'avez pas. On n'est pas venu pour rien alors. Non, non, non. Oui, elle ne peut pas venir. Elle peut aller avec vous. Voilà. Merci. Oui, une douzaine. La couleur, c'est pas important. D'accord, non, mais je vais regarder. Oui, je vais deux assiettes. Parce que c'est personne n'a faute d'en casser, puis d'en donner. C'est le dindon qui se fait avoir. Quoi. Ah bah je te paye, puis je paye. Ça n'oubliez pas. Non, je m'en vais parce que c'est la fin de journée. Une bonne journée, mesdames. Merci. À bientôt, au revoir. Merci de votre visite, votre vendeuse Armelle.